Poufouf, YouTube, poufouf, Julien, comment vas-tu? Hello! Ça va bien. Julien et moi-même, <laughs> on va se tenter le portail, mesdames et messieurs. Normalement, ça devrait pas se passer comme la dernière fois. Merci, Mister, ça fait très plaisir pour ton Bienvenue, bienvenue. Et juste avant, c'était Pierre. Merci à vous. Ça fait plaisir, c'est vrai? Eh ben, bon mariage à toi, Mister. Du coup, aujourd'hui. Nouvelle configuration, il y, a des, il y a du patch qui a été appliqué hier soir. Euh, on vous avait euh, planifié une petite vidéo ERI, contrôle radar en moto qui avait été demandé par pas mal. En plus, c'est la nouvelle moto donc ça fait un petit truc assez sympathique euh, vu que c'est la nouvelle moto ERI euh, Yamaha FJR 1300 avec un petit historique sur le GPS. C'est ma carte qui est mise là donc c'est quand même assez stylé. Euh, enfin bref, et on avait été emmerdé avec ce portail euh, parce que c'était full bugué On va tester aujourd'hui et écoutez, <laughs> si on peut pas sortir, bah ben c'est mort. Mais on croise les doigts! Oh, oh, mesdames et messieurs, attention, nous avons un gentleman parmi nous, mesdames et messieurs. Merci Furious, ça fait très plaisir. Bienvenue, bienvenue. T'as euh, déjà fait la prise de service ou pas? Non, 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 mais c'est toi qui fais ça et. Ah ah oui, non, monsieur, je ah mais, mais vous entendez mesdames et messieurs. <laughs> Merci Furious ça fait plaisir. C'est beau bienvenue à toi. Oh eh hey, oh t'as vu Furious Je t'ai écouté hein. J'ai fait du Roblox hein. Euh, j'ai été tester 3 modes de jeu sur Roblox et tu avais raison, Roblox c'est très fun. Faut on juste pense, bien trouver ça, euh, faut bien trouver son jeu. En mais c'était très stylé. Service. C'est euh, à voir euh, 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 Alpha, Tiens à voir sauvegarde Patrice. Erialfa avec deux manteaux de. Il y a à FJR. Ah là là comme il fait ça bien mesdames et messieurs Merci comme il fait ça bien Bon allez viens des On va se mettre en contrôle radar Actuellement il est marqué derrière le magasin de vêtements J'aurais dû placer un moi. On se met où deux fois deux Le long du QGDP Le long du QGDP peut-être Ouais QGDP QGDP ça peut être ce que Allez en avant J'ai réussi à sortir du commissariat du coup merci à tous ça plaisir, merci Furious, Mister et Pierre, ça fait très très zizir Bienvenue à tous. et Écoutez, on va se tenter euh, le racket. Le racket en bonne et due forme. Des permis de conduire. Il fait nuit. Oh là là, hé là la conduite elle est vraiment trop bien. Putain c'est fou d'avoir ça sur ma <laughs> for life. J'en profite parce qu'à tous les coups dans 5 minutes tout va se mettre à planter. Donc euh, vraiment je... je profite mesdames et messieurs. Je profite, je profite. Euh, on se met là à droite, au niveau des hangars. Ouais, on peut, ouais, ouais. Ou au niveau des places de parking Non, non au niveau des hangars, ça sera plus facile pour partir. Vas-y. Hop. Oh là, 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 là. C'est quand même vachement stylé. Hein. Euh... Ouais, tu peux prendre d'ici Oui. Comment on se met ce que ce qu on peut faire si tu veux moi je peux, je peux flash et puis toi tu partiras en premier et je te rejoins. ah non mais dans ce cas-là histoire de faire ça attends comment on pourrait faire que allez, allez, tu prends dans quel sens euh, moi je peux prendre de venant depuis union et eh ben dans ce cas-là moi ce que je peux euh... faire je peux me mettre au croisement un peu plus loin comme ça entre guillemets euh, le temps que ça passe devant toi je suis déjà parti non euh, ouais si tu veux tu sais, à chaque fois, c'est le truc que je vais essayer, tu sais, en mode, genre, il y en a un qui flash en amont, et en aval, ouais. t'as l'équipe euh, chargée de l'interpellation. Parce que nous, comme à chaque fois, on est au même niveau, en fait, le véhicule, il fait. Vouh et nous, on est derrière, en fait, comme des. Bon, moi, je pars plus vite, tu vois. Alors que si t'es là, moi, je suis là. Quand le véhicule, il passe devant toi, tu m'appelles. Du coup, moi, je suis déjà prêt, limite, je peux même commencer à me lancer un petit peu. Parce que des fois, on flash des voitures, ils sont à 380. Bon déjà la moto elle monte pas à 380 faut le savoir Donc euh, histoire de, 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 de se lancer tu vois de, de tenter le de bureau, de Histoire foot. de tenter un petit peu ce qu'on peut faire qu peut-être qu'on va finir dans un mur je euh, ne sais pas mesdames et messieurs nous allons voir Sinon ce qu'on peut faire tu peux attendre sur Ça union et puis moi je flash le euh, <laughs> depuis, euh, pont sud Fais-le Alex Achète une moto Alex on ira rouler Euh pont sud moi je flash venant depuis Pythonia et toi, ouais. tu te mets sur la sur la ferme ou sur Union. Transmettez. Plus facile pour faire le contrôle là-bas. Confirme un okay. espace noir. Donc euh, tu, tu flash, flash ski, mais par contre faut dit. pas que tu te trompes, tu flash, ce qui redescend sur Union, on est d'accord Oui. Pour Alpha, ok, vas-y, bah je vais me placer au euh, niveau d'Union, on fait ça. Vas-y, 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 c'est cool. Attends tes ça. On va voir si ça va marcher, attention. On va voir, mesdames et messieurs. Le maillon Le maillon mesdames et messieurs El famoso maillon. Oscar de Riafa. On va aller se mettre au niveau d'union. Et on va voir... Ils en place d'un flash vitesse au niveau du QGDP pour force. Moi je vais me mettre là. Je me mets au niveau de l'auto-école, c'est bon pour toi Ouais, parfait. Ok, vas-y. Donc surtout te trompe pas de sens hein oh Non 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 <laughs> Ok, je suis prêt. Quand tu veux. Eh ben, j'attends. Ok, parfait. On est bon, mesdames et messieurs. On est prêt. Alors, attention, ça peut ne pas marcher, profitez-en maintenant. Hein. Voilà, je vous le dis de suite. Peut-être que dans 15 secondes, c'est fini, je suis éjecté du serveur, on ne pourra plus jouer. Alors, ah, attends, je vais prévoir une feuille de papier, quand même, on ne sait jamais. On va tenter, mesdames et messieurs. De mon côté, je suis prête. T'as prévenu à la radio qu'on est en radar ici Yes. Ok, parfait. Mais bah, écoute, Adienne qui pourra. Déjà, l'avantage c'est en se plaçant ici. Tu sais, comme il doit arder, comme il arrive sur Union, il est obligé de freiner. Sinon, il meurt. Tu vois ce que je veux dire Il est euh, 100% obligé de, de se stopper ici. Après, s'il freine pas, il finit là-bas dans le cimetière. On verra, on verra, mais bon. On va dire qu'ils vont freiner, mesdames et messieurs. De ton côté, t'as rien Non, pas pour le moment. Ok. Petit épée. Oh là. dire c'est pas encore parfait hein. <laughs> Oh là là, quelle histoire. J'aurais arrivé. J'aurais eu 207. 207 Ouais, ouais mais là le pas. temps que je traverse de l'autre côté, on est foutu hein. Donc on contrôle effectué sur l'individu signalé par par fait par bug donc ce n'est sûrement pas le bon individu dans une Tesla donc on prend pas trop y en a. C'est en Bah après si tu veux flash dans les deux sens, faut que je me rapproche de toi sinon. Tu veux parce que je vois que ça roule pas mal euh, Depuis venant du lion Ok vas-y bah, je vais venir me mettre avec toi alors Parce que ouais, Si tu me dis 207 de l'autre côté Le temps Que je me lance Que je te passe devant Le mec est déjà à l'autre bout du monde Vas-y je me rapproche de toi ça marche Ouais Est-ce que le dépit va me laisser passer Ok Ah oui, j'ai vu où t'es. Ah là là, malin le lynx, mesdames et messieurs. Vas-y, je me prépare, je fais chauffer les pneus. Regardez cette, <laughs> cette conduite, mesdames et messieurs. Je me mets au stop, de toute façon. Euh, comme tu veux, tu veux ouais. Tu les flashes de loin. Regardez <laughs> mauvais d'Oscar. Vas-y. Euh, faites attention, je vous parler, vous parlez, parlez fort. Ah. Ah, bravo, chef. Si. <laughs> Tout le monde il l'entend, mesdames et messieurs. SVR noir, ouais, il était trop beau. J'adore ce type de véhicule. C'est trop, 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 trop stylé. Je vais me reculer sinon, vous savez quoi Je vais me mettre là, je vais me mettre à côté de sa moto. C'est quoi Je me recule à fond. Je me mets à côté de, de ton missile. On partir de combien bah, je sais pas ce qu'il faudrait. C'est Ce qui serait parfait, c'est 230. Je suis actuellement en train de un direct. Ouais, bah comme ça, c'est destruction. Merde. Tu vois, on se balade pas pour rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire non. Ouais, c'est comme c'est limité à 2 à 130, tu prends au-dessus de 100. Ça fait une amende de minimum 100 000 euros. Destruction, euh, permis, prison. Voilà. Entre guillemets, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Ouais, on va faire ça. On essaye de prendre qu'au-dessus de 100, histoire qu'on ne se déplace pas pour rien. <laughs> l'argent, mesdames et messieurs, l'argent, les clochettes. Les clochettes, voilà, comme ça on fait tout. Non, en fait, on pourrait, on pourrait se déplacer pour des gars qui sont à 148. Mais euh, je ne vais pas dire qu'on ferait ça toute la journée. Mais euh, voilà, ouais, Red Archie, un Uru. Si vous saviez les bagnoles que Red Archie, vous seriez jaloux. On ira bientôt en Red. Avant, je veux tester les motos. Le fameux moto mesdames et messieurs. C'est quoi, je coupe le moteur, va Oui. Bon après, euh, c'est de... Non 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 non, il y a la planète, moi, je pense à la planète. Alors du coup, hier, on parlait de ça. J'achetais la Monster. Est-ce que c'est meilleur que la Red Bull Je pourrais pas vous dire, mais euh, c'est un petit goût, euh, c'est un petit goût sympa. Et ils attendirent, mesdames et messieurs. Parce que si on prend au niveau de la vitesse. 150, oui, c'est en excès. 160, oui, c'est en excès. 170, oui, c'est en excès. 200, oui, c'est en excès. Mais là, ce qui peut être sympa, c'est de se focaliser que sur les gros, gros, gros excès de vitesse. Et les mecs qui sont en Ferrari, en Bugatti, hop là, c'est sympa, ça passe à BFM et puis, et puis on est bon, tu vois. Sinon, on va faire de la 206, de la 308, alors que nous, ce qu'on veut, c'est de la grosse allemande et, euh, et du coup, et autant. Autant viséo, d'ailleurs je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a les étoiles qui sont accélérées d'un coup, à mon avis on a eu un petit, euh... On a eu un petit truc de notre côté là 85 oh 190 185 Ouais la Peugeot 190 je l'ai eu Il a dû freiner parce que le buggy qui a freiné d'un coup Ah ouais Ah moi j'ai le mouton qui est à côté là Vas-y on essaye le plus de 230 suis... On tente ça, on tente ça Hein de quoi Non, il y a un mouton qui a traversé la route. Ah <laughs> il a dit 250 abonnés. Ah Oui, j'ai vu, bah, il a traversé le hangar, il est passé devant toi le mouton. Ouais, ouais. Ouais, ah, bah, il a traversé le hangar aussi, tu lui diras que c'est pas RP ce qu'il fait. Ah ouais, ça marche. Euh, N'hésite pas, à lui. Bah Dis-lui Dis-lui bien que <laughs> c'est pas cool ce qu'il fait. 15. 210, 215. 215. Ouais, vas-y. R 8 là. La R8 qui est devant c'est quoi la plaque Ouais Où, euh, Je ne saurais pas te dire euh, comme on est en télé, on appelle, là ça, ça coupe à chaque fois Ah merde Ah je l'ai elle est devant moi Ok, parfait. C'est celle-là Ouais, c'est ça. <laughs> bonsoir, monsieur Brigade motorisée de Ça. Ça. Bonsoir, bonsoir, vous m'entendez bien euh, Oui, je vous entends bien. Très bien, vous devez connaître euh, le motif euh, vitesse, sûrement. Oui. Je pense aussi. Ouais. Vous avez un aussi, permis de conduire Oui, c'est un au niveau du parc. Euh, oui, du sur je vais vous plait. le présenter. Donc pour information, euh, l'itinéraire que vous avez emprunté est limité à 130 km/h. Très bien. Et la vitesse retenue... Ah bah vous êtes annoncé. La vitesse retenue pour monsieur c'est combien 215 km/h. 215 ouais, au lieu, lieu 230 ouais donc euh, okay. ce qui vous classe euh, dans une mauvaise catégorie euh, est-ce que vous avez vu. triangle gilet jaune monsieur gris zoni euh, a priori oui vas-y ça va se me présentait et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé là vous aviez oublié que vous étiez sur euh, une route euh... Euh, non ouais, je voulais rentrer euh, assez rapidement ah. puis, euh, comme il faisait nuit je me suis dit qu'il y avait un peu moins de gens ah bah justement, c'est pour ça qu'il faut faire d'autant plus attention, parce que c'est pas ouais. une autobahn en fait ici, monsieur. Dommage, euh, dommage pour la R8. Hein. Bon bon, si vous aviez, euh, si vous vouliez une vraie voiture qui marche, vous auriez acheté autre chose. Cela vous étiez, euh, ça va, euh, c'était au maximum. Et vous pouvez récupérer ouais. le triangle, je vous remercie. Le Véhicule à vous, c'est un véhicule de location Euh, c'est à moi. Il est à vous. Ça fait combien de temps que vous l'avez Euh, ça fait environ 6 mois. Mais 6 mois que vous l'avez. Oh, il a déjà dû perdre la moitié de sa valeur, non Non, mmh, ouais. Mmh. Petite question pour la conduite. Bah, je révise, euh, changer, je révise pas bon mal. Bon, il est, est en stage 2, donc non. Ok. Non, non c'est bien. Ah, je, pensais... je pensais, que c'était pas fiable euh, les 8. Bah encore pour être honnête avec vous, j'ai été content que vous m'ayez annoncé, que vous m'avez flashé à 215. Parce ah que ouais, j'imagine. Un peu plus quand même à la base. Ah bah. Donc, euh, non mais vous savez, la vie. C'est, c'est pour faire plaisir aux chauffeurs, hein. Mais ça. On va dire, euh, les connaisseurs achètent autre chose. Hein. Merci, ouais, Théo, ça fait bien plaisir. plaisir. Bienvenue, bienvenue. <laughs> vous revenez d'une soirée ou pas, du coup Pourquoi vous. C'est quoi Vous étiez euh... en retard sur euh, l'horaire euh, du repas euh, Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ok, bon, c'est bien votre voiture, la carte grise vous appartient ouais. pour le moment. <coughs> Alors, du coup, <coughs> au niveau de l'excès. Alors, nous, ce a... alors vous étiez peut-être euh, au-dessus, hein, mais nous, la vitesse euh, qui sera retenue, c'est 215. Très bien. Ça fait 85 km/h au-dessus. Ça mm -hmm. fait une amende de 85 000. J'imagine que vous avez les moyens ou c'est du leasing Ouais, ouais c'est bon, on peut s'arranger. Ouais. On peut s'arranger, bon, bah, écoutez, parfait. Donc, du coup, 85 km/h, donc vous êtes dans la première catégorie. Inférieur à 100 mais supérieur à 50, donc on est en total amende, saisie du permis, saisie du véhicule. Donc le véhicule restera avec nous, vous repartirez à pied. Très bien, ok. Voilà. Ça marche. C'est bon pour moi, euh, ouais. Attendez, je. Bonjour Bonsoir. Bonjour, j'aurais besoin d'une unité, s'il vous plaît. Bonsoir, j'aurais besoin d'une unité, s'il vous plaît, sur le parking euh, du théâtre d'Union pour euh, prendre en charge un véhicule et ramener à votre cuisine. Ouais, vous voulez qu'on fasse ou vous voulez faire non, bon, on va le faire, n'inquiétez pas. OK, c'est 000 d'amende, le permis à saisir et la voiture à mettre en fourrière. OK. Monsieur a tout et c'est bien sa voiture. Après on n'a pas relevé d'autres infractions étant donné que monsieur s'est arrêté directement, il n'a pas posé de pas posé de souci, il a été il était sérieux, on va dire. Alors, à moitié. Ça marche. À moitié sérieux, donc à on, moitié. Oui. Voilà, à moitié sérieux, on va dire. Marche, voilà, eh ben merci. Pas de souci. On est reparti. Vous avez juste me passer les clés de véhicule au 90. Par contre, c'est euh, oui. moi ou la moto elle est britée à 211 euh, J'ai pas fait gaffe à combien j'étais. Parce que j'arrivais pas à monter en dessus de 211 en fait. Ah mais tu penses à passer à la quatrième aussi <laughs> Faut passer à... vrai, si Tu pas sais, voir. fond de première 200 c'est pas mal hein Mais passe les vitesses <laughs> Faut que tu passes les vitesses. La première elle est en bas, est les en autres tu les montes. Plus vite, je pouvais ah pas. Ça, ça ça. Ah, ouais, bah, essaye. À mon avis, t'étais en première ouais, va, là. Je vais, je vais voir. Ouais, ouais. ouais, ouais, première, première en, voir. en bas, deuxième en haut. T'as un nick à pas sur lui, est-ce que c'est bien Ok, ouais. Voir. Allez, vas-y, à tout de suite. Bon, ouais, mesdames et messieurs, première saisie au DR8. Très bien. Pas mal. Pas mal, pas mal. Mais ça se traîne, hein ce type de voiture. C'est pas vraiment ce qui marche le mieux quand même. Aller en avant. Clin d'œil, clin d'œil, petit cœur, petit cœur. On se Allez go, allez va se remettre. alpha Alors j'ai pas fait gaffe si c'était bridé ou pas. C'est sûr. Attendez, je vais le rappeler. Je sais pas si c'est. C'est ni... con si c'est bridé. Je vais le rappeler. On va rappeler euh, monsieur le suisse. Suis ah, c'est bloqué Ah, ok. Super okay. On va regarder, on va se faire une petite accélération là. Ah, Est-ce que si c'est bridé à 200 euh... Après tu vas me dire euh, déjà 200 euh, si tu peux les tenir partout c'est beau tu vois Parce qu'à la limite dit, euh, Même si, euh... pas, hein, si tu Ouais Tu ouais. sais je te disais 200 entre guillemets si t'arrives à les tenir partout c'est cool déjà tu vois Oui Parce que en gros même si imagine elle monte à... Même si elle monte à 280 2, tu vois eh ben les 2,80 tu vas pas les pousser partout. Y a que sur certains axes où tu pourras monter à 2,80. Ouais mais je veux dire sur le sur le panneau quand tu l'as sens c'est marqué 260 je crois 240. Ah ok ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas, euh, pas fait attention à ça. Allez on se replace. Mais beau euh, belle interpellation j'ai déjà toi. Beau flash Beau flash Donc une petite R8 dans la boîte à malice mesdames et messieurs. Ça part direct. Instantanément. Fond de première 200, on doit mourir en deux secondes. Ah, je sais pas combien tu prends en fond de première là-dessus. Peut-être une bonne centaine, un bon 100 km/h, mais ça doit gueuler quand même. À hein. mon avis, euh, t'as intérêt de passer la deuxième rapidement. Euh, essaye de prendre ce qui vient vers nous, hein. Parce qu'en fait, euh, oh, bah oui. plus ça s'éloigne et plus je mettrai de temps à, à le récupérer, tu sais. Merci. Sinon, Allez, on est parfait. Ouais mais c'était parfait, l'air-8 oui, c'était cool, en plus il y a un véhicule de police, euh, je sais pas si t'avais vu, devant. Ouais. Donc pour ainsi dire, euh, bon, au début j'ai cru qu'elle partait, quand je l'ai vu prendre à gauche, je me suis dit, oh, on va galérer à la retrouver, si elle monte sur l'exide, on est foutu, tu vois. Mais euh, c'était pas mal. S'il y a des bleus à l'arrière, c'est juste que... Et... J'ai l'impression que le bleu est dans la moto. Vous voyez ce que je veux dire Regardez. En fait, les bleus, ils clignotent pas. Ce qui clignote, c'est la moto. C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est la moto qui clignote en fait. Genre, il y a un truc à l'intérieur entre le réservoir et la selle. Et ça poutchou, poutchou, poutchou. Ça limite, c'est pas trop gênant encore. Ce qui est dommage, c'est que quand il fait jour, euh, ça clignote pas. Mais je pense que ça peut être patch. Euh... Parce qu'Eric si sait faire des versions de jour. Euh... À mon avis, ça, ça devrait être faisable, vous voyez. Ça devrait être faisable. Du coup, s'il y a bien les bleus à l'arrière, hein, je... ils sont sur les valises en l'occurrence. Après, bon, de base, c'est un jeu avec des tanks, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et déjà, de base, c'est un miracle. Je suis toujours pas kické du serveur et on a réussi à on a réussi à patrouillage, donc c'est bien. Ouais, c'est des LED Wish, ouais, ouais écoutez les gars. Euh... Voilà, a... c'est quoi C'est 85 000 euros d'amende. Comment vous voulez qu'on qu se paye du bon matos aussi Vous voyez ce que je veux dire Et euh, oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du t-shirt. Hein. Je me suis fait beau, mesdames et messieurs. Coucou Guitou, bienvenue. Admirez euh, cette beauté, mesdames et messieurs, flamboyante. super le. super l'invisible, mesdames et messieurs. Là, on est en mission de camouflage, là. On va prendre de l'argent à des gens. 140, la voiture de police. 240 ou 140 240. Ah, elle est revenue deux fois devant moi, j'aurais pas aimé la prendre en chasse. Hein. <laughs> Allez, passe, est passée en colère, de l'autre côté. Là, elle est en on a une nouvelle dépanneuse aussi qui est arrivée. Et là, comme vous pouvez le remarquer, euh, ça traîne pas ça. Hop, 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 directement. On ira en DP euh, sur un repos, Je vous montrez un petit peu ça aussi. Ils ont reçu des nouvelles DP. Bon, voilà, une bonne mission de fait ça. R8 saisie, mesdames et messieurs. De base, on comptait être à deux sur la moto hier. On a fait des tests. Ça marche bien. Visuellement, c'est très joli. Euh, mais... On va dire, c'est quand même plus joli si chacun a sa moto. <laughs> Mais sinon, oui, on peut monter à deux. C'est pour ça, en l'occurrence, qu'elle n'a pas de bite bleue à l'arrière et qu'elle a une selle arrière. Alors que l'autre moto qu'on a, que je ne vous ai pas encore présentée, la KTM Duke R, euh, je sais pas quoi, euh, elle, elle a là un bleu au niveau de la selle arrière. Donc, ça, c'est une deux places. L'avantage, déjà, elle est disponible, donc il y a un truc assez sympa. Et euh, si jamais on. Vous savez, je sais pas, en sécurité publique ou autre, on se fait des grosses inters. On peut monter à deux sur la moto, tu vois. Imaginez les interventions, tu vois. Tu arrives en bécane, tu lâches le mec, tu vas te poser ailleurs et tout. Enfin, tu peux faire des trucs assez stylés. Mais euh... Mais du coup, là, on en a une chacun. Après, pour parler un peu d'Arma 4, certains disaient que potentiellement l'année prochaine ou l'année d'après. Après, Après j'ai pas trop trop suivi ce qui avait été annoncé sur Arma 3, mais je crois que tous les DLC qui étaient prévus sont sortis. Euh... Donc, c'est à dire que, genre, ils avaient annoncé, je crois, il y a un an ou deux ans, quel DLC allait sortir, etc. C'était prévu. Je crois que tous les DLC sont sortis. Donc, en l'occurrence, euh, Arma 3 est sorti en 2013. Là, ça fait 7 ans que le jeu est sorti. Les DLC sont, je pense, quasiment tous sortis sur le jeu. En tout cas, ce qu'ils voulaient faire de base. Euh, le jeu, on peut dire qu'il est fini. Alors, oui, mais nous, on fait du modé. Tu vois, si on était juste sur Arma 3, il n'y aurait pas de bug. Donc, euh, Arma 4, euh, j'avais entendu l'année prochaine ou l'année d'après. Après, ce qui me paraît très bizarre, c'est que je pense pas que Arma 4, ça se fasse en un an. À mon avis, on est sur un jeu qui nécessitera un peu plus de développement. Et est-ce qu'il y a un besoin d'Arma 4 pour le moment Je ne sais pas. Euh, étant donné que on va dire euh, Arma 3, euh, c'est Arma 3, tu vois, c'est comme Days. C'est quoi l'intérêt de faire Days 2 Aucun intérêt, tu vois. Ils améliorent Days. Bah, je pense que pour Arma 3, pour le moment, on est peut-être encore là-dedans. En tout cas, genre, je vois pas Arma 4 sortir l'année prochaine, ni l'année d'après. Après, Après peut-être que je me trompe, tu vois, mais de ce que je vois, je je vois pas quel intérêt, tu vois. Pourquoi sortir Arma 4. Alors que entre guillemets sur Arma 3 euh... Je veux dire et puis même imaginez Arma 4. Vous pensez vraiment que ça se vendrait aussi bien Arma 4 là aujourd'hui Imaginez Juste imaginez Arma 4, qui l'achète aujourd'hui Arma 4 Vous, moi, toi, nous Ça suffira jamais à rentabiliser le jeu, tu vois. Donc est-ce que même en 2021, en 2022, est-ce que c'est intéressant de miser de la thune sur un projet qui peut-être ne sera pas rentable alors Karma 3 est rentable tu vois et ils ont juste à l'améliorer le jeu continue de se vendre je le vois je le vois sur Instant Gaming hein. ça continue de, de vendre des jeux allez checker bon le jeu en plus il a réduit à fond tu vois là le jeu il est rentabilisé il a moins de 20 boules euh, quasiment tout est dispo, tu vois. En tout cas, les gros, gros, gros projets sont là. Il y a une base de fou, il y a, il y a de la commu, il y a du mode, le workshop est rempli. Il y a plein de nouvelles choses qui sortent. Euh, si on parle financièrement, est-ce que c'est intéressant pour Bohemia de refaire un jeu, sachant que potentiellement, là, ce qui marche, c'est les FPS et les Battle Royale. Alors oui, ça va se vendre à 4 mais... Tu vois, si on regarde, c'est quoi le plus intéressant Parce que je suis persuadé que Arma 3, ça reste. Euh, à mon avis, ils ont acheté des piscines en diamant. Ils ont même acheté un tank, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Ils ont un tank euh, Bohemia. Donc, je sais, moi, je ne pense pas. En tout cas, de, je ne vois pas la nécessité. Graphiquement, le jeu est encore là. Il y a encore plein de choses à faire. Et même en 2020, celui qui achète Arma 3, il euh, ne pourra pas dire que le jeu est sorti en 2013. Il y, y a tellement de, de trucs à faire sur le jeu. Dernière mise à jour. C'était le mois dernier. Vous voyez Donc euh, je sais pas, je sais pas si vous avez d'autres infos, mais pour moi... Euh... Ouais, Arma 4, c'est comme Identity, c'est pour bientôt, voilà. Comme Digito, pour moi, Arma 4, pour le moment, genre, ça sert à rien de se dire, oh, j'attends Arma 4... T'attends, t'attends, t'attends Jésus là. Hein Il y en a, ils l'attendent depuis 2000 ans, Jésus. Hein Donc euh, tu vas attendre aussi, hein moi je pense pas. Après, je suis pas Bohemia, tu vois. Je les connais. Euh, ils m'ont jamais. Ils m'ont jamais teasé des trucs tu vois. Après ils me le diraient peut-être pas tu vois. Mais... Arma 4, je suis pas sérieux. Merci euh... Matt pour le follow. Enfin pour le sub. Pour le sub. Merci Bospodil. à toi, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Après est-ce que vous avez des infos, tweet chez nous, partagez hein Bien, Arma aussi, 4 n'est pas en développement, dit par Bohemia. Moi, je dis la même chose. Je valide. Pourtant, j'ai pas de source, hein, mais je suis persuadé qu'Arma 4 n'est pas en développement. Du coup, c'est impossible qu'il sorte l'année prochaine ou l'année d'après, tu vois. Ce qu'on m'avait dit, dans un ou deux ans, Arma 4. Faut pas, faut pas six mois pour développer ça, tu vois. Même s'ils réutilisent ce qu'ils ont fait, tu développes pas Arma 4 en six mois. Donc, euh, à mon avis, euh, si vous hésitez, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Arma 4? Alors qu'Arma 3, tatati, tatata, pff, achète Arma 3, perds pas ton temps. C'est comme pour GTA, hein, pour ceux qui se disent est-ce que GTA 5 ça vaut le coup en 2020 Oh, je vais plutôt attendre GTA 6. Là, t'attends le Messi, hein, c'est Moïse qui descend. Hein. Vous achète GTA 5, il est à 9€ sur Instant Gaming. Euh, c'est pas trop tard. Enfin, t'es un peu en retard, mais c'est pas trop tard pour découvrir GTA 5 pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que GTA 6, vous avez encore un peu d'attente. Hein. Vous voyez, c'est toujours. Voilà, euh... oh on est sur. Euh... On est encore sur, euh, encore je, je crois qu'il n'est même pas en développement ou qui commence seulement à développer GTA 6 Rockstar. Donc voilà, pour le coup GTA 6 sortira avant avant Arma 4 peut-être. Et vous savez quoi, on peut faire un pari, tiens. Peut-être, à votre avis, est-ce que GTA 6 sortira avant Arma 4 pour peu que Arma 4 existe un jour Là on est sur euh, on est sur du futur, mesdames et messieurs. Moi je pense que GTA 6 sortira avant. Mais là pour le moment, euh, pff, je vois pas l'intérêt d'Arma 4. Voilà. Bon, pour le je crois moment, qu'il va falloir prendre 12 parce que je de 1000 sur MSL. Qu'est-ce qui s'est passé A mon avis, on est cramé sur MSL. Hein. Il y a tout le monde dès qu'ils arrivent ils roulent doucement. Bah, c'est bien <laughs> Bah, non mais enfin, ils respectent la limitation de vitesse. C'est pas bien Oui mais maintenant, il faudrait peut-être aller... Oui, parce que toi, tu viens en Suisse, tu veux de l'argent, je sais bien, Julien, je sais bien, mais... Tu sais, nous autres petits Français, nous, tu le petit pays pauvre à côté de chez toi, moi, je trouve la situation bien... Excusez-moi, on joue avec un Suisse, je suis désolé, là, vous dites quoi Excusez-nous, voilà, je m'excuse. Mais moi, je trouve ça bien. Il n'y a pas d'excès de vitesse, de quoi on se plaint On est là pour ça, vois. C'est marrant, cette monta... c'est Ça, c'est suisse. Je suis sûr que c'est une mentalité de suisse, ça. Il n'y a pas assez d'argent. Viens, on ferme des sociétés. Euh... Bah, bravo Ouais, 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 ouais. Hein ouais, ouais. Bah, bravo. On les voit, les petits Suisses, hein. Ouais, ça rapporte pas assez d'argent. On va fermer ce truc. ta ta ta-ta-ta, hein. Eh, c'est pas une banque, ici, hein. Bon, vous l'avez entendu, hein. Les gens, ils respectent la loi Chier. Pire serveur du monde mesdames et messieurs Pire serveur du monde <laughs> J'ai pas dit ça, pas dit ça. <rire> <rire> Yo Alphas, bienvenue Mais moi je trouve que c'est une bonne chose Qu'on ait été balancé sur MSN enfin, Les gens respectent les vitesses On peut en débattre dans les commentaires oui. Mais je trouve c'est bien C'est cool oui, Les gens respectent mais la loi peut... Oui maintenant on peut aller dans un autre endroit Faire respecter la loi je suis d'accord avec toi Mais là sur le papier voilà. la mission est résolue Enfin la mission est un succès je trouve voilà, je suis. Euh... Moi, je pense que on peut être fier de. On est là pour faire appliquer la loi et les gens respectent. Alors, peut-être parce qu'on est là, sinon ils s'en foutraient, mais là au moins, c'est propre, mesdames et messieurs. Ils respectent les vitesses sur 500 mètres. C'est possible. <laughs> c'est possible que la, la, la rue Clémenceau, euh, là-bas, là, de l'autre côté, c'est possible que là-bas, ce soit un go-fast. Une piste de dragster, mesdames et messieurs. Mais bon, ce sera pour une autre histoire. On va aller voir ça après. Du coup, fin d'épisode, mesdames et messieurs. La mission est accomplie. Les excès de vitesse au niveau du QGDP euh, n'existent plus. Voilà, on a réussi à, à faire réduire. Du coup, moins d'accidents. Euh, une R8 de saisie. Ça fait partie du jeu, hein. Écoutez... Euh... Donc c'est bien. Oh, GG Julien. Bisous Julien. Chou. Et nous avons réussi à faire ce maudit épisode parce que hier c'était insupportable à faire. Hein. Bref, chouchou, -chou, bisous YouTube, rendez-vous demain. Pensez au pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Chouchou, -chou, nous merci à vous. Cœur, cœur, petit cœur. Pikachu, Drac -au feu. à demain. Le mot de la fin, ce sera... Euh... Suisse. Suisse. Bisous, à demain. Salut YouTube. Twitch, on continue. On continue, Twitch. Et merci Matt, ça fait plaisir. Bisous.